Monsieur le directeur du cabinet du gouverneur de Farana, Monsieur le président des directrices de Bouka, Sakola et Profinding, Monsieur les invités, chère laborieuse population de Bouka, c'est pour nous les citoyens de Dabola en général et ceux de Bouka en particulier une très grande joie, un réconfort moral et une légitime fierté en cette fin d'année 2024 de vous recevoir aujourd'hui dans notre communauté. L'ARB et l'ensemble des populations de Bouka, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le préfet, nous sommes très heureux de vous recevoir à nos côtés en ce jour tant attendu par les braves populations de Bouka pour le lancement des travaux de réalisation de la route Profinding-Bouka, un rêve très longtemps attendu par nos populations. Ce jour sera inscrit en lettres capitales dans l'histoire de toute la vallée de Bouka et de Dabola. Monsieur le préfet, votre présence parmi nous ne nous surprend guère, car elle corrobore avec la vision du CNRD et la politique du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État, président de la République, qui, depuis son arrivée à la tête de l'État guinéen, s'est fixé pour objectif le bien-être des populations guinéennes sans exclusion. Alhamdoulilah. Puis, Alhamdoulilah, président Mamadi Doumbouya sera là. Et grâce à cela, en charge. À nous, Falani, entreprise SECAM, mon sabal est cela, Bala. Gouvernement est Weldi, entreprise est cela, Bala. À nous, sommes mis, Bruce Silancro, ou les cela, Bala. Donc, en prenant cela, Bala, la sous à l'intérêt. En paix, côté à l'olé. Monsieur les sous-préfets de Afra Moussaya et de Kankama. Monsieur le président des délégations spéciales des communes rurales qui sont représentées ici, chers cadres représentants des services déconcentrés au niveau régional et au niveau préfectoral de Dabola, chères populations, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour procéder au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route électorale Profinding-Sakola-Bouka, 18 km, avec construction de deux ponts de 8 et de 15 mètres linéaires. Ce projet est financé par l'État guinéen à travers le budget national de développement pour un coût de 5,361,855,100 francs guinéens, s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant du gouvernement guinéen à travers le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics à désenclaver nos localités, à dynamiser les économies locales et améliorer la mobilité de nos populations. Avec un délai d'exécution fixé à 6 mois, nous entendons livrer une infrastructure de qualité qui répondra aux besoins présents de cette localité ou de la même. Valeureuse population de Bouka, mesdames et messieurs, la réhabilitation de cette route constitue une réponse concrète à plusieurs défis qui sont, entre autres, la facilitation de l'accès au marché de la localité, renforçant ainsi les opportunités économiques pour nos agriculteurs, commerçants et artisans, l'amélioration de la mobilité tant pour les personnes que pour les biens, réduisant considérablement le temps de déplacement entre les localités desservies,
Enfin, renforcement de la cohésion sociale en facilitant les interactions entre les communautés, renforçant la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, ce projet, nous le devons à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général Dahmé Mamadi Doumbouya, qui fait du développement des infrastructures, notamment routières, un levier stratégique pour le développement de notre pays. Sur ces mots, et au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, je déclare officiellement lancer les travaux. Vive le CNRD, à sa tête le Général Dahmé Mamadi Doumbouya. Vive le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, vive la direction nationale des routes préfectorales, vive les autorités d'Abola et vive les populations de la contrée d'Abola. Population sage, au moment des jeunes ici réunis, je comprends que vous avez de l'intérêt dans le projet qui va être développé dans notre localité. C'est ce qui fait l'objet de votre présence ici depuis le matin. Je voudrais vous transmettre les salutations de M. le gouverneur de la région administrative de Parana pour cette mobilisation qui donne de la solennité aujourd'hui à cet important projet qui va démarrer dans notre localité. Refondation veut dire faire du travail de qualité. Faire du travail de qualité. On ne va plus aller dans les questions de colmatage. Il faudrait que tout ce que nous allons poser comme acte dans cette refondation, ça puisse porter, ça puisse être dans l'intérêt des populations et que ça puisse durer et que l'histoire puisse en parler. Nous invitons à pouvoir soutenir ce projet et l'ensemble des projets qui seront développés dans la région pour le bonheur de l'ensemble des Guinéens. Je vous remercie.